Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur notre Let's Play Elder Scrolls 5e du nom, ou plus communément appelé Skyrim. On se retrouve pour un nouvel épisode. On va aller faire les quêtes secondaires, ou en tout cas une bonne partie des quêtes secondaires de Marcas. On va aller commencer par délivrer la lettre à Rogatus de la part de Leontius. Donc ça c'était à la ferme de Salvius, de souvenir. On a aussi l'investigation des ruines de Askazams. Ça j'aimerais préférer que ce soit plus long à faire, mais on va le faire. Et après un Marcas, je sais que j'ai un autre truc et tout. Alors, je crois que c'est un blague. Alors dans la dernière vidéo, du coup, on a terminé l'histoire de Skyrim. Et on a fait du coup, on allait rapporter... le sang du gars là qui voulait les sangs de différentes espèces là en haut à Septimus. Et en fait j'avais récupéré un livre et j'avais pas compris du coup à quoi il servait. Et en fait en cliquant dessus tout simplement, en fait j'ai pu choisir trois voies différentes, la force, l'ombre ou la magie. J'ai choisi la force, donc du coup il m'a amélioré plusieurs compétences et il m'a donné 4 points de compétences je crois en plus. Donc c'est sympa finalement. Vjordan, nouvelle découverte. Vivant avec Yann m'amène ici. On va aller. Je pense que ça va pas être trop long, trop compliqué. Ah, un visiteur. L'auberge du vieux Roldan a des siècles d'histoire, camarade. J'imagine que vous souhaitez louer la chambre de Tiber Septime. Effectivement. Pendant la seconde ère, Tiber Septime lui-même dirigea l'armée qui reprit le vieux Roldan des griffes des barbares de la crevasse. Septime fonda ensuite l'Empire, unifiant ainsi Tamriel. Mais sa première grande victoire eut lieu ici. Et dans cette auberge se trouve le lit même où le grand général passa sa première nuit en tant que libérateur du vieux Roldan. Il est toujours aussi confortable. C'est bon. Bon, très bien. C'est quel lit? Celui-ci, je suis sûr. Le mec a dormi sur un lit de paille. N'a-t-il pas honte? Je travaille pour Aedis. Qu'est-ce que c'est? Certaines choses ne changeront jamais. Merci de m'avoir apporté ça. Tenez. Voilà pour vous. Voilà, donc on avait juste ça à faire. Ce n'était point de difficulté de taille que de rapporter cela. Et le vieux Holdan, d'accord. Roidbourg, il doit ici y avoir des quêtes là. Je suis ennuyé, en fait ça va être chiant, j'ai même plus de cheval. D'ailleurs mon cheval a totalement disparu. Ou alors on s'en fout, on retourne là-bas et on fait ça plus tard. Je sais même plus pourquoi est-ce que j'avais eu cette quête. J'ai envie d'aller retourner à Marcas. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais voir, c'est au niveau de la clé de la madame. Parce que du coup on a assisté à un parjure qui a tué la madame. On a récupéré une clé. Et depuis plus rien. Vous ne savez donc rien sur cette maison? Non. Vous avez vu quelqu'un, de la lumière ou des bruits inhabituels? Elle est abandonnée et elle l'a toujours été. Excusez-moi, auriez-vous des informations sur cette maison? Avez-vous vu quelqu'un y entrer ou en sortir? Je travaille pour les vigiles de Stendhal. Nous pensons que cette maison abrite des cérémonies des draps, des rites démoniaques. En fait, j'allais justement y pénétrer. Assurez-vous que l'on couvre mes arrières. Suivez-moi et ouvrez l'œil. Les draps sont des créatures puissantes et fourbes. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Alors, je tiens à regarder. Alors, je sais pas tout ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. En gros la quête donc avec Margaret, j'avais eu sa clé et en fait il aurait fallu ne pas la laisser mourir et en fait ça m'aurait donné une note qui m'aurait fait déclencher une quête plutôt longue visiblement, mais maintenant je ne sais pas comment faire, donc je vais y aller investir les lieux, je pense taverne et tout. Là j'allais me diriger, j'allais reprendre, puis en fait bah du coup j'ai été pris par les jambonneaux là. De la nourriture, ça venait de là. Ok, donc en fait j'avais la quête qui avait complètement buggé.
C'est ça, il y a quelque chose à l'intérieur de la maison. Venez, allons tirer tout cela au clair. Sors de là! On sait que t'es là! Il y a une autre porte, essayez de l'ouvrir. Stendhal, aie pitié de nous. Ce Dédra n'est pas comme les autres, il nous faut de l'aide! Faible. Il est faible. Ta force est grande. Écrase-le! Allez, on y va. Ouais, en fait, ça avait vraiment bugué. Normalement, il aurait dû bouger. Et en fait, ça n'a pas fonctionné comme il fallait. Et moi, j'avais repris les cordes, j'ai tué comme ça le gars. Et j'ai accédé à la suite. Plus loin, dans les bois. Et en fait, je me suis retrouvé face à la porte complètement bugué. Normalement, ça va être bon là. Tout devrait être réparé maintenant qu'il a fait sa course. Imbécile! Tu croyais que Molagbal, le seigneur de la domination, te récompenserait si facilement? Que vois-tu de cette petite cage? Parle! Oui, c'est un autel. Autrefois, les hommes venaient y sacrifier les faibles en mon nom. C'était la loi du plus fort. Mais un prince des draps n'est pas sans ennemi. Et ma rivale, Boétia, a fait profaner l'autel par son prêtre. Et jusqu'à ton arrivée. Me venger? Non. Je veux la soumettre. Je veux que le prêtre qui a fait ça s'agenouille devant moi. Et me donne son âme. Ah, plutôt logique et dedans. Accomplir les rites insultants de Boétia sur mon autel. C'est le gueule là, mais ça va. Il a disparu depuis quelque temps. Vraiment, il est un vrai démon. Capturé. Au vu de la tête sur la masse. Ligoté. La forme de l'autel. Il croupit quelque part. Sauve-le. Laisse-le accomplir son rite une dernière fois. Et lorsqu'il viendra, nous l'attendrons. Donc là, dans la théorie théorique, normalement que tout ça, ça s'est réparé et que ça s'est goupillé, je devrais pouvoir sortir à Marcas. De façon totalement tranquille, sans me retrouver bloqué. Voilà. Ah, c'était vraiment quand on oubliait le PNJ, la porte. Pff. Donc, du coup, j'avais dit qu'on ferait les quêtes secondaires de Marcas, mais finalement, on se retrouve à faire une quête d'Aidra, qui en fait pop à partir de la deuxième fois où on arrive dans la ville. Et évidemment, je suis tombé dessus. Donc, bah, on l'a fait, hein. Tant pis, on va faire une vidéo là-dessus. Arrêter à faire à un moment donné. C'est relou à atteindre. Ouais, j'espère que les montagnes ça va bien se passer quoi. Si l'œil est partiellement ouvert lorsque vous êtes en furtivité, c'est que quelqu'un vous cherche. Si les colonnes ouvertes, vous êtes découvert. Ouais. Je crois que je me suis découvert plus d'une fois. Ah, du coup, j'ai l'impression que je vais faire les quêtes secondaires Marcas et du coup, je me retrouve à faire totalement autre chose. Je pourrais laisser le point de vidéo que je viens de faire, mais autant aller le faire. Tant pis. Maintenant que vous avez lancé dessus, je vais aller voir. Donc là, c'est le deuxième des draps qu'on enchaîne qui est un peu malsain. Très clairement, entre l'autre qui demande un sacrifice et lui qui est celui de la domination qui demande aussi de faire des trucs bizarres là. Donc vraiment sur les moins accueillants et les moins chaleureux quoi. C'est pas les dieux vers lesquels tu tournerais en premier quoi.
pense qu'on va pouvoir retourner vers le bas. J'ai hésité à faire un autre move, mais en fait je me rends compte que vraiment en fait c'est très rocheux finalement. Après on peut faire des moves obscènes. J'ai hésité à faire un move obscène. Peut-être que je vais pas en avoir besoin. Visiblement déjà on a trouvé un endroit un peu enfermé. Curiosité, on va y aller. Par conscience professionnelle. Ah. Quel est son endroit ? Mettez-moi un point. Temple de l'aigle, j'ai pas de point en fait. Carmine. C'est tout. Les cailloux, est-ce que tu viens de me lancer ? J'ai vu sa barre de vie fondre. Ouais, c'est pas des mecs très très forts dans cette zone, visiblement, ça me va. En fait, j'aimerais juste avoir un point pour savoir ce, pour avoir la TP en fait. Nia, je suis pas venu ici pour rien. C'est de voir ton ami partir en fumée, ça t'a pas fait peur, t'as pas fui. Honorable de ta part, mais va. Quand un qui s'amuse à faire piou-piou avec son arc. Je vais vous tuer, je le jure. Passe au travers. Ah non, non, pardon, mais il y en a encore une autre. Il y a plein de jambons là dans la montagne. Je suis où là? Ah mais en fait c'est ma quête. Non mais en fait je suis peut-être arrivé à ma quête en fait. C'est malin d'être le bon endroit. Hein. C'est de ces guignols là que... Il est emprisonné. Je ne peux pas tomber. Nous sommes vaincus. Ah bah ouais, en fait c'était bien mon point. Ce qui en fait c'est de pas avoir eu de points. De TP, parce qu'il y a quand même un temple. Je me dis, il y a forcément des choses à y faire. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Vous n'avez pas mieux? Non? Oh, pitié! Ces derniers mots furent. Vous n'avez pas peur d'être ici? Vous n'avez pas. Ouais, vous n'avez pas peur. Et après, ces mots furent. Pitié! Non, je crois que la réponse était non. Hé! Hey, vous venez pour me tuer? Pour terrasser le puissant Logrolf? Alors qu'il est ligoté comme un saucisson et totalement sans défense? Oui. Vous êtes là pour me libérer? Personne ne savait où j'étais quand on m'a capturé. Qui vous envoie? Ah bah si, elle m'envoie. La Dame Noire, c'est elle qui vous envoie. Attendez, l'hôtel de Molagbal, bien sûr. Je dois me rendre immédiatement à Markarth. Libérez-moi! Enfin libre. Allez, poussez-vous de là, j'ai du pain sur la planche. Il est détestable.
On a bien fait de le libérer pour aller le tuer. Je vous tiens. Source Sandy. Nouvelle découverte. Comment est-ce qu'un peuple aussi faible que ça a un trou dans le coffre? Qu'est-ce que c'est que ces gens? J'ai une quête du coup de trouver l'épée de l'aigle visiblement qui a l'air d'être ici. Donc ça a l'air d'être le temple en fait qui était en bas. Hein. Ah non, l'épée de l'aigle carmin il est là. Tour de l'aigle carmin. Là j'ai déjà accompli la tour scindée et là je dois unlock pour aller trouver. Ah. Peut-être t'as été amené Boissier à faire ça après du coup. On a une quête de donjon. Grotte à aller faire. Il doit y avoir un levier pas loin. Ça me fait beaucoup rire la ressemblance avec toutes les tours. Bon, après je comprends hein, mais c'est quand même cocasse à chaque fois. T'arrives à un endroit, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à d'autres endroits quoi. Là c'est après. Pourquoi pas aller la faire après? Pourquoi pas? Là-bas, c'est une autre quête des draps, donc non. Mais on est proche aussi de pouvoir la faire. À mon avis, si la quête là déjà se finit déjà là, on aura le temps d'aller faire d'autres choses. Donc, fallait faire la quête dans la foulée, puisque on a le contexte du début de quête, donc autant faire la suite. Mais ça va être, à mon avis, assez long, je pense. Ça va être une grotte à faire. Là, j'aurais bien voulu faire Marcas quand même. Ah, je suis hésitatif. Oh, on fera la quête, cette quête là plus tard. Ah, c'est toujours compliqué. Je suis dubitatif sur les choses à faire, dans quel ordre, comment. Que suis-je censé faire? Ne jamais quitter la maison? C'est ce que vous voulez, Endon? Vous allez fermer cet étal, un point c'est tout. Abandonner maintenant? Juste par peur? C'est donc tout ce que nous enseignerons à notre fille? Les chansons ne sont que de vieux souvenirs qui aident à boire plus d'hydromel. Ne se battez pas. Et si je vous préparais quelque chose à manger? Papa et maman parleront plus tard. Les plus beaux bijoux depuis qu'ils ont la main mise sur la ville. Ma famille s'est installée ici il y a plusieurs siècles. Nous vivons du travail et de l'argent qui transite par la ville. Mais vous vous intéressez sans doute aux gravures et aux sculptures étranges, non? Les voyageurs en sont très friands. J'ai une livraison à effectuer auprès de Calselmo. Et si vous vous en chargiez? Il connaît l'histoire de Markarth mieux que personne. Merci. Il peut paraître rude, mais je suis sûre qu'il appréciera votre aide. Voyons voir ce que je pourrais vous proposer. Revenez me voir quand vous aurez besoin de bijoux. Les sombrages ou les impériaux? Ah, bonne question. Où Oni se procure-t-il donc la viande la plus tendre et la plus fraîche de toute la crevasse? La réponse est simple. Les orques. Il y a un fort à proximité dont les chasseurs peuvent tuer une biche en un rien de temps. Avoir une orque pour femme serait quelque chose, oui. Elle serait forte et massive. Dommage qu'on ne puisse pas sortir des murs. Laissez-moi vous montrer où ils sont. Peut-être qu'ils vous feront bon accueil. Ou qu'ils vous planteront une flèche entre les yeux. Qui sait? J'ai l'air d'un guide? Je vends de la viande. Alors... vous en achetez ou pas? Revenez quand vous aurez à nouveau besoin de viande. Je peux vous aider? Avec de l'or.
Ouais, non, je sais pas si je peux avoir la quête. Un petit septime ? Attendez, non. Plutôt deux septimes. J'ai envie de faire la fête. Apportez plus d'or la prochaine fois. En fait, ça m'embête parce que normalement, j'aurais dû la sauver. Moi, je suis comme un débile, j'ai regardé le truc se faire en pensant qu'on pouvait pas l'éviter. En fait, on aurait pu éviter, j'aurais pu avoir une lettre. Là, maintenant, j'ai la clé. Donc, maintenant, la clé peut me faire démarrer la quête d'une autre manière, quoi. Ah ouais, non, mais c'est totalement bugué, pardon. Je sais pas s'il était censé être là ou pas. Bon, en tout cas, on le suit. Et il me dit rien. Non, mais c'est pas grave. Je pense qu'il était très clairement déjà être là, dû être là-bas, enfermé. Vous pensez pouvoir vaincre les fidèles de Boétia ? J'ai déjà réussi cette épreuve, vous savez. Ah, mais cette fois, j'ai moi aussi mon champion, l'Ogrolf. Quoi ? Espèce de... Je te remets ma masse, avec toute sa rouille et toute sa malveillance. Écrase la foi qui anime l'Ogrolf. Fais-le se prosterner devant moi. Jamais je ne me rendrai. Jamais je ne me rendrai. Venez donc, sale... Hey! Jamais je ne me rendrai. Les mortels et leur corps frêle, mou et risible. Essaie encore. Ah ouais. Vous allez payer pour ça. Elle le fait revivre en boucle. Vous allez payer. Assez. Assez. Je me rends, Malakbal. Je me rends. Te soumets-tu à moi? Oh, la divinité. Oui. Vous tue ton âme à moi. Renonces-tu à la faible et pitoyable Boétia ? Oui ! Tu es à moi, oui. Maintenant, l'Ogrolf. Tue-le ! Ouais, t'es sorti de ta cage, mais c'est pas grave. La masse de Molagbal. Je te donne son vrai pouvoir. Quand tes ennemis reposeront à tes pieds, en miettes sanglantes, sache que je te verrai. Maintenant, je dois aller chercher une âme dans l'Oblivion. Prends soin de la maison. Pendant mon absence. The House of Horror. La maison des aurores. Des horreurs plutôt. Horror, je sais pas, c'est le mot en anglais. A shambles. Waouh, c'était sombre encore une fois comme quête. Entre l'autre où il fallait choper un compagnon, le sacrifier, massacrer des gens pour faire plaisir à une divinité et avoir ses faveurs. Et récupérer son armure. Là, il fallait que pareil. Choper un mec et le laisser. Waouh, monsieur, vous... madame, monsieur. Un de ces jours, je serai orfèvre, comme mon père et ma mère. Oh mon dieu, c'est une sorcière. Elle est pire que Mokbal. Fuyez, pauvre fou. Kera, ma femme, s'occupe de notre étal de bijoux au marché. Hôtel de Talos. Ok, non, il y a rien. C'est juste un hôtel comme ça. Je serais bien allé à l'auberge, mais j'arrive pas du tout à le trouver. Ah oui, d'accord, c'est plus bas. C'est pas là, en fait. C'est juste à l'entrée. C'est pas grave. On n'en veut pas mon andouillerie. Niveau 39. On approche niveau 40. Entrez.
Vous trouverez quantité de boissons fortes et de chambres propres à l'auberge du Sang d'Argent. Voici l'auberge du Sang d'Argent. Ah, yes. Here, take a look at this. D'accord. Vous avez entendu ? La nécropole est fermée. Frère Virulus n'est pas très populaire en ce moment. Dégaine le mendiant s'est fait mettre à la porte du temple de Dibella. Il a fait un sacré grabuge. La bière est moins chère que le sang, hein, Marquardt. Ne l'oubliez pas. Too lazy to give him a drink yourself. Vérifie les livraisons qu'elle a dit, Lisbeth. Il n'y a pas de livraison que je dis moi. Vous êtes bagarreuse, alors ça vous dit de faire un petit pari. Je suis sourd, et ça fait bien longtemps que je me suis pas battu. Je parie 100 centimes que je peux vous battre à main nue. Voilà une attitude qui me plaît. Allons-y. 12 centimes sur la brune. Paris sur la brune. Ah, il est pas facile à battre en vrai. Hein. Donc, bah, à moi, il ne fait quasiment aucun damage. Mais... Votre ultime erreur. Je pensais pas vous en aller assez grand. Qu'est-ce que Ouais, j'ai peut-être foutu un peu la merde. Non, je reconnais que j'ai peut-être fait de la merde. J'aurais pas dû sortir mon... En fait, je trouvais ça long, je voulais aller vite, mais j'aurais peut-être pas dû. En fait, le combat à main nue était tellement chiant et long. Vous trouverez quantité de boissons fortes et de chambres propres à l'auberge. Ah, yes. Here, take a look at this. Vous avez entendu ? Dégaine le mendiant s'est fait mettre à la porte du temple de Dibella. Vous êtes bagarre. Fait un sacré je gratuit. Suis sous. Je parie 100 centimes que je. Voilà une attitude qui me plaît. Eh oui, je t'en prie. Alors, la bière est moins chère que le sang, Marca. Ils sont en train de se battre. Va être long, c'est tout ce que vous savez faire. Je trinquerai sur votre tombe. Ça va être long. Tu vois, je fais quasiment pas de dégâts en un minute. Je suis pas fixé mes points de compétence. C'est bien des cons, moi. Hein. Vraiment, je spam toute ma touche et puis voilà. On dirait avec mon armure, j'aurais dû la soigner utiliser depuis un moment, je crois. Oh, c'est long. Ça y est. Attendez, je peux encore me battre. En fait, non. Ces idiots sont en train Écrabons de se battre. Écrabons cette nuque givrée. Allez. C'était une belle bagarre. Tenez. Camarade de bœuf au comptoir d'Arnleff et fils. Je suis qu'une paire de gros bras, un porteur qu'ils ont engagé pour transporter les paquets lourds. Mais aucune cargaison n'arrive. Les parjures attaquent toutes les caravanes. Alors, je passe tout mon temps assis ici, à picoler. Yes, yes. Now, pardon me, stranger. Will you help me raise a flagon for my dear departed brother? May he find peace in Sauvengard. No need to be sorry, lass. These are happy times. And he's in the better place. Ça va, elle est trop bizarre. Drinking far better mead than we could ever imagine.
bravely, as only he. Mais pourquoi c'est en anglais? J'ai la flemme, j'ai pas le temps pour ça. The guard. He put the fear of Talos. The rest of the wild folk fled. Aye, he was on duty. By the time he returned, my brother died. Wuthmar, thick as thieves, the three of us. He was a man. Mon père, il a perdu son père, blablabla. Je passe un peu. Damn soldier. I would. A bloody priest he was. Aye, this is the uniform. Ah, that's a. If my. Je suis juste l'éduction que vous, ça me débloque. There was never. Of course you would think so. You're not. Bless me. Of course. I drink. My. They never told me not all potions were the same. Il y a rien, il parle juste en anglais. J'ai vraiment la flemme d'écouter quelqu'un parler. Contrairement à Claire, mon mari, je prends soin de nos clients. Il faut que tu rappelles à Claire pour faire le ménage. Rien, espèce de tête de pioche. Puis-je. Je suis ce que l'on appelle un soldat de fortune. Faites-moi une offre et je combattrai peut-être à vos côtés. Les sombrages ont pris Marquardt. C'est bon de revoir. Je n'ai rien d'autre. J'écris des comptes sur ce que j'ai vu, sur les combats que j'ai livrés. J'ai connu un beau succès dans ma jeunesse. L'Académie des Bardes enseigne toujours certaines de mes œuvres aux étudiants. Always good to see a fellow bard. Les ailes d'Alduin ont à son. Allez parler à Klepre. C'est mon père. Moi, je nettoie, c'est tout. Elle a semé le feu. On arrive avec une ou deux quêtes, mais sans plus. Bon, j'ai juste passé un mec qui parle en anglais parce que j'avais vraiment la flemme. On a peut-être récupéré une ou deux quêtes. J'arrive pas à récupérer. Faut trouver la maison de Margaret, en fait. Peut-être que de là, on débloquerait la quête, fameuse quête de Marcas, mais pour l'instant, il n'y a rien. C'est assez terrible. J'aurais dû intervenir. Je pensais que c'était beaucoup trop tard pour intervenir, qui était déjà si proche qu'il n'y avait pas moyen. Du coup, je vois que j'ai eu. Peut-être une quête ou deux en plus. Pas. On peut parler de livraison à la base. Alors c'est beaucoup plus loin que prévu, mais non. Ah, ou alors j'ai pas le point. Souvent quand j'ai des nouveaux trucs, ouais. Dragonborn, la charité. J'ai dit la charité, langue de vipère. Enfin! Maintenant, fichez le camp. Oui, un gros pactole. Vous voyez ce temple tout là-haut? Il n'y a que des femmes qui restent entre elles. Elles veulent pas laisser le pauvre Degen entrer, ça, non. Même pas pour jeter un petit coup d'œil. Mais elles ont un trésor là-bas. Une statue d'or de la taille d'un enfant. Je sais pas à quoi elle leur sert, mais je sais à quoi elle me servira. Ne présentons pas les choses comme ça. Il ne faudrait pas que la guilde des voleurs ait vent de cette histoire. Hein. C'est quand même moi le chef, c'est ça que tu veux. Faufilez-vous à l'intérieur et essayez de la faire sortir. Je serai ici et je vous paierai la moitié de ce que mon contact à Faïez m'en a promis. Vous viendrez en aide à un vieux mendiant. Les divins sont favorables à ce genre de choses. Je peux vous aider ? Je voulais vérifier parce que ça, là je savais pas où aller. L'auberge, je pensais que ça allait m'apprendre quelque chose. En fait, c'était une clé de chambre d'auberge. Vous trouverez quantité de boissons fortes et de chambres propres à l'auberge du sang d'argent. C'est pas cette chambre-là. Je suis parti au mauvais endroit, je crois. Alors non, ça doit être la porte experte bout. Mais alors comment ça se fait qu'il me propose de la déverrouiller? Je pense avoir la clé normalement, non? Donc c'est bien la porte au bout. Et j'ai pas compris du coup sur le coup. Je me suis dit bah non, il a bien dit à gauche.
Ouais, je me suis fait reprendre la clé. En m'étant fait choper. Bah non. Je comprends pas là. Je ne comprends pas. Proposer de... Ouais non mais... Je cherche à comprendre. Journal de Margaret. Et bah voilà. T'en fais apprendre des choses. Alors évidemment c'est de l'anglais. Évidemment j'ai la flemme d'aller traduire. Ça m'apprend rien du tout. Ah merde. Mierda, mierda. Du coup j'ai pas la quête. Je me demande même si je pourrais la choper au bout d'un moment. Vous, je vous ai vu fureter dans le coin et poser des questions. Laissez tomber. Ah. Croyez-moi, le sort des fauteurs de troubles n'est pas enviable par ici. Le bœuf le plus juteux de la crevasse. Mais eux vous trouvent, et ce n'est pas bon. Dernier avertissement. C'est nous qui faisons respecter l'ordre ici. Ne vous en mêlez pas. Dragonborn. Vous cherchez un cadeau pour un ami ou pour je ne marchande pas, un cœur à prendre. Achetez ou partez. C'est vrai ce qu'on raconte? Qu'il y avait un dragon captif à Blanche Rive et que vous l'avez délivré? Gloire à l'enfant de dragon. Simple d'idée là. Alors moi je vais essayer d'y aller et récupérer l'autre quête parce que du coup il me demande de voler. Mais si je vole, je peux pas faire une quête qui va m'être offerte ici. Enfin où? Les sœurs communiquent avec Dibella. Il ne faut pas les déranger. Je regrette. Le temple de Dibella est fermé. Vous pouvez recevoir votre bénédiction si vous le souhaitez, mais les autres sœurs restent recluses. Une athée. Charmante. Oh, ne me jetez pas ce regard. Je vous taquine. Dibella est la divine de la beauté. Elle est la déesse des artistes et des bardes, ainsi que de tous ceux qui savent apprécier les plaisirs simples de la vie. Le temple offre sa bénédiction aux pèlerins et nous apprend à profiter de tout ce que la vie peut offrir. Eh bien, vous avez un physique avantageux, et j'aurai énormément de choses à vous enseigner. Ah, mais c'est vrai que j'en ai rien dit là. Mais malheureusement, le temple ne cherche pas de nouveaux disciples. Oh. Les sœurs communiquent avec Dibella. Il ne faut pas les déranger. Revenez plus tard. Well, hello there. It isn't often I'm allowed to gaze upon such a flawless beauty. While the temple isn't taking on new students, my lady, perhaps you wish to rendezvous at the inn for a more personal lesson. How droll. So many handsome men and comely maidens in the city. And whenever they open their mouths, it is such a disappointment. I'm willing to bet your bedroom is as dull and as lifeless as your words. Perhaps you'd like to adjourn to your library and read a 1,000-page tome on beans and corn. Or is that too graphic for you? If... Hello. Mother Amal and the other sisters... Ah, bah, pareil, tout en anglais, ça, although it's... For it's the... You can guess for yourself which part. Have you been? After all, I betted the neighbor girl myself. Marry me. And she divulged all her secrets. Now, now, don't be selfish. My body may. As am I, but then, the same way, the desire boiled within me. Thankfully, after all, and while none of
Mother Hamal, of course, saw right through my ruse. But I was able to... If only it irks... Whereas, if I were to sell... Thankfully, a nobleman's son... It seems the boy had come to the stables to seek my hand. For he had fallen hopelessly in love with me. Not a me... That is... My father told me the boy was smart. It's no different. Donc en fait, visiblement, elle nous a proposé des choses et on peut se marier avec elle, mais j'ai pas tout suivi. Well, he might the goddess of beauty and love, and the Mara, when, yet, although not all here, I do find, although the problems tend to still be there in the morning, some of. J'ai vraiment la flemme de. De comprendre quoi que ce soit. They point to how decay, a short, but. Je suis juste là pour voir si ça me débloque une quête, un machin, mais... I've talked to the sisters about Mother Hamal. She continues to enchant every necklace. The ardor with which the miners prayed. A young dark elf was in here the other. I understand Balthela was quite a vixen in her day. C'est con parce qu'elle avait l'air d'avoir plein de choses à nous dire, mais alors putain... En anglais quoi, sérieux. Je regrette. Le temple de Dibella est fermé. Vous pouvez voir votre bénédiction si vous le souhaitez. Les autres sœurs resteraient. Sauvegarde rapide, objet, potion. Évidemment. Alors, du coup, on s'est infiltré visiblement dans le sanctuaire. Mais il y a une quête à récupérer, donc on va pas voler la statue. C'est pas mon but. Par contre, ces portes et tout avec ces engrenages là. Oh là là. Comment t'es pas discrète quoi si jamais tu décides de rentrer tard pour X ou Y raison? Parce que ton Roméo t'a proposé de te voir à une heure bien précise. Que faites-vous là? Restez où vous êtes. La mère va s'occuper de vous. La voilà. Et je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? Je regrette, mais seuls les initiés sont admises dans le sanctuaire intérieur. Vous êtes coupable d'intrusion, et vous devez en payer le prix. Normalement, une période de servitude. Heureusement pour vous, nous avons un problème plus urgent à régler. Au lieu de vous punir, nous pourrions avoir recours à votre aide. La cérémonie que vous avez si impoliment interrompue était le rite d'exaltation de la Sibylle de Dibella. Je suppose que vous ignorez ce que cela signifie. Disons simplement que nous avons récemment perdu notre Sibylle. Le rite nous a permis de localiser la nouvelle Sibylle. Elle vit au nord, dans un petit village niché contre la pierre. Si vous pouviez vous rendre sur les lieux et ramener notre jeune Sibylle, votre transgression serait pardonnée. Nous pensons que le lieu de notre vision est Folpertuis. Hâtez-vous. La fillette doit être amenée au temple au plus vite. Vous pourriez gagner la bénédiction de Dibella. Vous trouverez les hommes plus malléables à l'avenir ou plus vulnérables. La Sibylle de Dibella consacre sa vie à communier avec la déesse. De sa plus tendre enfance à son dernier soupir, elle est un lien direct avec notre mère divine. Sa rêverie nous permet de connaître la pensée de Dibella. Nous avons eu une vision de la nouvelle Sibylle, dans un village au nord. Elle doit être ramenée au temple pour que sa rêverie commence.
Nous préférons ne pas annoncer la mort de la Sibylle avant d'en avoir une nouvelle. Cela rassure les gens de savoir que nous sommes constamment en liaison avec la déesse. C'est un grand honneur pour les parents. Leur fille ne connaîtra jamais la difficulté, et ils bénéficieront de la générosité de la déesse. Si vous voulez bien m'excuser... C'est ça qu'il faut que je vole. Je sais pas comment je me barre en mode non, c'est pas vrai. Au moins c'est bon. Portez... Ah mais j'ai même plus en fait. Bon d'avoir volé ça pour rien. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Dibella vous bénisse. J'ai très clairement de sortir du sanctuaire, elle m'a rien dit. Je te vois. Meilleur des vies. Dans la langue ancienne, vous êtes Dovahkiin, enfant de dragon. Ouais, il n'y a plus le mendiant, j'ai plus la quête, donc du coup, j'ai sûrement volé ça pour rien. Mmh. Et du coup, il faut que j'aille où ? On va s'arrêter là. Ouais, j'ai des choses à aller faire là-bas. Beaucoup de choses. Bon, bah, on aura fait au moins la quête des draps de l'autre, là. Du dieu de la domination. Je remettrai peut-être le début de la quête qu'on vient de faire après, je sais pas. Peut-être fait les choses mal comme il fallait, mais c'est pas grave. Moi, on a fait une bonne vidéo, on aura fouillé un peu. J'ai pas réussi à avoir la quête du coup de Margaret, j'ai l'impression que c'est mort, j'en aurai jamais. Donc bon, tant pis. Et puis bon, pour la prochaine épisode, on va sûrement faire l'Académie des Mages. N'hésitez pas à mettre de j'aime. N'hésitez pas à commenter, aller voir les autres vidéos, les autres let's play. On vous en rendez-vous du coup pour la prochaine fois pour poursuivre notre aventure, pour aller voir un peu du coup ce qu'on va trouver. À la quête d'une mage qui va s'y passer. Puis à un moment donné, ouais, Dibella, je crois que c'est une quête des draps. Dibella, c'est clairement une quête des draps. C'est une déesse de la beauté, donc c'est sûr en fait. Pour une fois qu'on a eu, on a eu deux trucs malsains, pour une fois on a un truc un peu plus sain, bien qu'il faut enlever un enfant pour une déesse, encore une fois, bon. Mais c'est déjà un peu plus simple que de sacrifier des gens, je trouve. On a cette quête là aussi, cette quête là, puis là c'est une quête des draps aussi. Bon. Il y a des choses à faire à droite et à gauche. Et puis va écouter. Moi, je vous dis à la prochaine, je vous dis ciao ciao.